Salut à tous, mon nom est Aig, nous voici ensemble pour un épisode de Horreur sur Arkham. On va reprendre notre aventure, on allait aller dans le Bayou. Alors le Bayou, un endroit où on sent bien que ça va pas être dans la finesse. On va se préparer, on va prendre les gens les plus forts mentalement pour le moment. Bien qu'il nous faut de bons combattants, alors les meilleurs combattants, on sait bien que c'est le journaliste, la chanteuse pour la magie et l'agent fédéral pour le pistolet, hein, ou le fusil. Bon, l'agent fédéral, il n'y a pas de doute. C'est lui qui va mener l'enquête hein, dans les marécages. Est-ce qu'on prend notre personnage principal? Il n'est pas très fort en combat, en vrai. Hein. Mais il y aura sûrement des investigations à faire et on veut pas être fou avant de commencer les combats difficiles. Si combat il doit y avoir. Mais je pense que fermer le portail se fera pas sans coup férir. Dans tous les cas, il nous faut emmener Marie parce qu'elle est intacte mentalement et qu'elle a une bonne santé mentale. Ses points de vie sont un peu faiblards. Et évidemment, pour ce qui est du reste... Ils sont pas trop faits pour le combat, même s'ils ont des compétences faites pour le combat, l'initiative, là vous voyez, état d'alerte et thérapie de groupe, ça reste du détail. Hein. Rex par contre est très fort au corps à corps, physique, alors point de vue investigation, on aurait quand même des choses là, hein, intéressantes. On aurait logique ou recherche, je sais plus, pour lui. On aurait physique et volonté. Donc on n'aurait pas du tout social ou manuel. Ah non, on n'aurait pas recherche non plus. Ça, c'est les scientifiques qui ont ça. Mais lui, l'enquêteur a la logique. Hein. Donc oui, ça devrait quand même passer. Hein. Prenons les combattants. Alors 22 points de vie, c'est chaud aussi. Hein. Mais lui, il va aider sur l'investigation s'il y en a un petit peu. Ok. On va les équiper comme il faut, hein, parce que là, on sent que ça va être dangereux. Donc, on n'aura pas besoin de prendre de bandage, parce qu'on va prendre le livre de soins. Le livre de guérison, qui est neuf. Qu'on va mettre sur la magicienne. Alors, le livre de bravoure, c'était le tanking, l'étourdissement, l'entrave et le rempart de chair. Ah non, le rempart de chair. Ah oui, le bravoure augmentait les dégâts, et le rempart de chair, lui, protégeait contre les dégâts. Et on a évidemment le livre de guérison qu'on a trouvé tout neuf. Ok, on a deux livres de guérison, c'est le même. Hein. Il n'y a pas d'avantage. Ok. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme arme? Ben, on aurait pu lui mettre... On peut lui mettre le stun. Hein. Alors le stun, l'inconvénient, c'est que ça ne marchera pas si jamais on tombe sur des créatures. On a bien vu que les créatures étaient immunisées. Et que ça n'avait pas l'air d'être très efficace. À côté de ça, elle est pas forte, quel que soit le domaine. Lui, on va lui mettre les points américains pour faire plus de dégâts. Et on va lui mettre, bah, évidemment, les couteaux. Alors, on va lui mettre juste un couteau neuf. Hein. De toute façon, on devra trouver probablement des armes sur place. J'imagine. Rien qu'en ayant les soins, on est déjà pas mal ici. Hein. On n'a pas besoin vraiment d'avoir plus. Mais bon... Je me demande si je prends pas l'entrave quand même ou un truc du genre. Ruine. Ah, mais ça c'est des dégâts. On pourrait prendre simplement des dégâts. On peut pas se mettre en Overwatch avec ce genre de bouquin. Quoi d'autre? On pourrait prendre aussi une arme un peu plus lente avec lui, des tuyaux de plomb. Ou alors, lors d'une aventure, faudrait mettre des tuyaux de plomb sur tout le monde pour les utiliser et avancer. On peut prendre un couteau de plus. Je sens que ça va être vraiment baston, on le jettera au pire. Hein. Vu qu'il est en mauvais état et que ça se répare pas. Pour notre enquêteur, on va mettre un fusil de chasse. Alors le fusil de chasse a aussi un désavantage, hein, c'est que il est, c'est deux balles par deux balles. Donc on tire deux coups et après on recharge. Ce qui peut vite être un désavantage, mais pas avec lui, vu qu'il prend 3 points d'action pour tirer, 2 pour recharger. Ça pourra coller. C'est tir, overwatch, tir, rechargement, tir, overwatch, voilà. Hop. Rechargement, tir, si jamais l'overwatch est parti, enfin vous m'avez compris. On pourrait quand même prendre un petit automatique, hein, vu que nos automatiques sont
en bon état aussi. On n'a que 9 balles. On a 19 de chevrotine. Peut-être qu'il faut pas faire le foufou. Alors, point de vue de la défense, qu'est-ce qu'on a? Là, on a full attaque. Bon, il est vrai que le corps à corps, on pourrait mettre la patte de lapin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la patte de lapin, on a les gilets pare-balles. Alors, dans le bayou, il y a sûrement des cultistes qui vont se balader avec, avec des fusils de chasse, hein, des choses comme ça. Donc, mettre les gilets pare-balles, ce serait pas idiot. Hein. Ou du moins un sur le... sur l'enquêteur. Et puis prendre un truc qui réveille. Limite de la bromocaféine pour assurer le coup. Ouais, allez, on va y aller comme ça. Je vais pas prendre d'armes pour la petite. Au pire, on peut lui mettre ce couteau en attendant. Voilà. Et on est parti dans les bayous. Oh, my friends, think about what horrors this portal unleashes. Even considering the dangers you've survived so far, it's far too perilous to approach that gaping maw in the earth. There'll be no escape this time. Very well. Here we are in this vexatious bayou. You may soon regret your decision, and not only because of the noisome vapors. The portal has to be around here someplace. You shouldn't be here, my friends. Something tells me it's very dangerous. Indeed, it must be. I will go ahead and begin my preparations. Aren't you afraid of going alone? One may slip in unobserved. While many are sure to be detected. Besides, I've never heard such a commotion as you tramping through the bayou. I doubt we've left a single twig unsnapped between here and New Orleans. Ah, les citadins. Now listen, Lenui. No, you listen for once. The coralberry is native to this particular region of the bayou. And coralberry branches act as an accelerant to the sort of invocations I must conduct to close the portal. Now, gathering some for me would be far more useful than proclaiming my arrival with all the fanfare of a marching band. Three branches should prove sufficient. Okay, nous on va chercher du matos d'invocation dans la forêt, en plein milieu des ennemis. Oh là là là. All right. Oh. And look here, our friends the herd have redecorated the bayou. I wouldn't have imagined you could make this foul style any less appealing, but those grotesque statues have certainly done the trick. At least they provide obvious waystones to the portal. Follow them when you're ready to join me. And don't forget the coral berry branches. Why you persist in doing this man's bidding is beyond me. He could turn against you at the slightest whim, I'm sure of it. Ah, il y a toujours la possibilité qu'il nous trahisse, hein, c'est sûr. Et qu'il ait pas peur d'aller devant parce que, justement, il fait partie des cultistes. C'est possible. Alors, oh là là, regardons la carte. Au nord, il n'y a rien. C'est le bateau. Bateau sur lequel vous êtes arrivé trop tôt pour repartir. Ouais. Des crabes, oh, un casier à homard et un couteau neuf. Hop, je vous avais dit on aurait pu venir sans armes vu qu'il y a le troupeau d'Alghedi dans le coin. Message écrit à la main épinglé au mur croulant, propriété privée, interdiction d'entrée. Une vieille caisse aux planches grisonnantes, aux clous rouillés, vous entrepercevez quelque chose à l'intérieur. Ok. Bien, une belle réserve de balles. Des bougies à moitié fondues, probablement laissées par un cultiste, entourent des étranges statuettes. Vous êtes sûrement sur la bonne piste.
La statue est détruite, un frisson vous parcourt les chines, tandis qu'une énergie ineffable s'échappe du sanctuaire. Ok. Bon, il faut détruire les statuettes, mais en même temps... Voilà, ça va nous coûter un petit peu de notre santé mentale. À chaque coup. Ils ont réussi tous les trois, d'ailleurs. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Caisse en bois. Quel piètre matériau de fabrication. Cassé. Et un revolver. Ok, bon bah on aura les deux. Non. On va mettre ça sur la soigneuse. Hop. Faudra bien la maintenir en vie, hein. Un bateau à la coque fracturée est couché loin de la rive. Un morceau de papier détrempé est coincé entre deux planches. Vous avez du mal à déchiffrer quelques passages. Trouvez les fouineurs et éliminez les espions, ne laissez aucune trace. Ok. Il a réussi, on a raté. C'est bien, sur 6G, on a déjà réussi 4. Sympa. Ouais, alors attention, il y a des bestioles ici, hein, des crocodiles, des cochonneries. Là, on voit qu'il va y avoir combat. On va peut-être pas suivre les crânes, parce que ça nous emmène vers le portail. Hein. Allons faire un petit combat pour voir ce qu'il y a dans le coin. Des cultistes qui se baladent. Fusil. Ok, on va juste les abattre. Alors, tirons surtout sur celui qui a le fusil. Utilisons la bromocaféine pour tester. Alors, retirons sur celui qui a le fusil. Utilisons la bromocaféine. Là, je pourrais la tuer et me mettre en vigilance. Ok, c'est intéressant. Vous voyez, si on avait 5 stacks de bromocaféine, on pourrait faire un carton plein. Donc on lui a mis 3 balles avant qu'elle ait pu réagir. Et petite vigilance. Alors les autres. Couteau 9. Non, on n'en a pas un endommagé. Ok, utilisons le premier. Il doit être moins 9 que les autres. Gagnons de l'init, même si c'est que par rapport à notre propre personnage. J'aurais pu me mettre en vigilance aussi au couteau. Ok, il se reconcentre. Et ben... On y va. Joli crit. On devrait pouvoir le finir sans avoir pris un seul coup. Il a plus de lui, hein. Ok, plus un de santé mentale. Ah, quand on se fait pas du tout toucher, on gagne de la san. Ou alors il y a un jet de san pour tout le monde et... Ok. Alors par contre la caméra est fixe. Ce qui est jamais bon signe hein, dans ce genre de jeu. Ça fait penser à Resident Evil, qui était comme ça à l'époque. Enfin, on peut la bouger, non, ça va quand même. Non, non. Quand la caméra est fixe, c'est pour augmenter la... Oh. Le stress. Alors, c'est des plantes de soins. C'est vraiment Resident Evil, là. intéressant. Bon, alors, point de vue de l'appel de Cthulhu, il nous faudrait un botaniste pour vérifier quand même hein, que ce soit pas des drogues ou des trucs comme ça. Par contre, là, il y a que des combats. Je sais pas si c'est le bon chemin. Hein. Attendez, qu'on se perde pas trop. Quoique. Le pont tout droit. Il y avait les statues. Hein. Si on peut trouver d'autres trucs intéressants aux alentours, vaut mieux quand même tenter le coup. Isn't that the same creature we saw at the university and in the Herd's mansion? Ok, donc c'est la forme initiale de la bestiole. It looks the same. Hideous. And dangerous, I bet. Let's be careful.
Ah, notre scientifique qui est pas là, elle aurait voulu voir ça. J'ai de santé mentale ratée, à la limite. Et on est entravé. Oh, c'est mignon pour un pistolet d'être entravé. Ok, on va utiliser notre dernière bastos quand même. Ça n'a pas beaucoup de points de vie. Évidemment, on abat celui qui a pas joué, hein, évidemment. Comme ça, on peut se débarrasser de l'autre. On va recharger quand même. C'est moi ou il a explosé? Je crois que ça a explosé. Du coup, si je le tue, il va nous péter à la gueule, c'est ça? on va se déplacer un petit peu. Oh, je pense que je suis trop près quand même. 6 de dégâts en explosant, ok. J'écrirai un rapport. Note pour plus tard. Les bestioles vous explosent la gueule. Un petit buisson aux feuilles thérapeutiques, au vu des feuilles abîmées, un animal est venu pète dans le coin. Peut-être quelques-unes sont encore intactes. Prends. Ok. Oui, bah c'est les soins d'ici, hein, les trucs. C'est pas les herbes qu'on doit ramasser pour notre ami l'occultiste. Hein. Un chemin d'empreinte de pas légèrement brouillé par la pluie récente. Il remonte à une ou deux semaines seulement, ce sont sûrement les membres du troupeau qui l'ont emprunté. Au milieu d'elle, des traces plus larges semblent avoir été laissées par une chose rampante. Ok. On va devoir revenir en arrière, hein, si on veut vraiment tout fouiller le bayou. Pour trouver les trucs. Alors je sais pas pourquoi je casse tous les hôtels étranges, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée de le faire. Hein. Même si ça nous coûte cher à chaque fois. Réussi, raté. Ok, c'est pas mal. Hein. Depuis le début, on n'a pas perdu tant que ça. Alors, le tronc d'arbre mort, vous décidez d'emmener un objet intéressant dans un grand trou sur le côté, mais l'accès est bloqué. Ok, de la chevrotine. Bon, il est temps de commencer à jouer du fusil. Hein. Mais les petites créatures sont tellement fragiles. Faut juste avoir l'initiative sur elle. Et ça, c'est le problème. Hein. Entre... Tiens, d'ailleurs, sa phobie, c'est quoi? Baisse la résistance mentale quand la santé est faible. Ok. Alors, il faudrait soigner aussi notre investigateur. Allez. Ouais, 11 points de vie perdus, on en rend 12, ça va. L'inconvénient du livre, qui est très bien, parce qu'on peut l'utiliser probablement un million de fois, mais l'inconvénient du livre, c'est justement qu'on peut pas l'utiliser hors combat, je crois. Alors, rien par là. Attendez, il y avait un autre passage, hein, mais je vais juste regarder parce que j'ai l'impression que c'était... Ah, il y a une note... Déplacez-vous en file indienne et suivez la personne devant vous, sinon vous vous perdrez avant d'atteindre le portail. Ok. There are purple berries on this plant. I bet it's the coral berry bush Linwit described. Let's take some. He said it would help with the ritual. Ouais, c'est notre spécialiste en magie, elle. Hein. Symphorine, vous arrachez les plantes en évitant de faire tomber les baies. Oh, du raditeur. C'est qui est psychologiquement instable, c'est toi. Ok. Un peu de radioactif. Vous voyez, je... N'importe qui se dirait, mais détruire les statuettes coûte de la santé mentale. Mais moi, la seule chose que je me dis, c'est qu'on est en train de détruire des trucs d'occultistes. Donc ça peut que jouer en notre faveur. Hein. Bien que on passe pas inaperçu en le faisant. Il y a une baraque là dans la...
Dans le bayou. C'est pas la cabane de la sorcière? Ah, attendez. Alors, savoir quel est le sens. Ouais, c'est là-bas. Oh, elle est inondée, on est d'accord, hein, on peut pas y aller. Quelle idée de faire une baraque dans le marais, quoi. En plein milieu. Alors. Là, on est revenu là. Ok, donc les deux chemins menaient ici, hein. Et ici, on a déjà fouillé. Ok. On est sur la bonne voie. Bon, par contre, ouais, on commence à prendre, hein, d'un point de vue santé mentale, c'est pas bon signe. Combat, deuxième, donc c'est par là-bas. On va aller par là, nous. Oh, faudrait peut-être éviter les combats, hein, on sait pas. Mais si on l'explose à côté des ennemis, normalement c'est cool, hein. Coup critique, joli. Sympa. Là on va pas avancer vers eux, on va juste attendre, vu qu'il a un corps à corps, avec un coup près, on va l'intercepter. Alors hop, on va se mettre un peu devant. Quatre de dégâts, grâce au gilet pare-balles probablement. On peut le tuer sur un coup. Pile poil, 7-9, on a fait le max. Alors, les combats se passent plutôt bien. Alors qui est blessé chez nous? Un petit peu lui, ouais, est-ce que ça vaut un coup de bouquin? Je crois pas. Hein. Par contre, courir au couteau, je crois pas non plus. Alors. Ok, ça sort bien. On va même se déplacer au cas où, mais... Parce qu'elle a un fusil, hein, elle... Il faut pas gêner les autres, hein, là. Parlant de fusil, un petit critique pourrait régler le problème. Ah, ça se tente. Ça se tente, je pense que 10 de dégâts à critique peut peut-être régler directement le souci. 15, pile poil. Ne jamais mettre un agent du gouvernement en colère. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ait pris des dégâts. Hein. Si on n'avait pas pris de dégâts, on aurait pu faire ça. Oh, mais il y a combat de nouveau. C'est où je suis? Ok. Donc il doit y avoir une maison dans le coin. On va pas aller par là. Et on doit venir de par là. Oui, on voit des loupes bleues et le passage là-bas, ok. J'aimerais bien ne rater aucune idole aussi avant d'arriver, hein, bien sûr. Hop, quelques plantes ici. Alors, petit buisson aux feuilles thérapeutiques au vu des feuilles abîmées, un animal est venu se perdre. On a dû prendre. Ok. Et on est full en vie. Bon, on n'a pas encore trouvé les trois plantes, hein, donc je pense qu'on a un peu de marge. Alors, par contre, ce qui m'étonne, c'est que là, il y a le passage avec la petite statuette, qui est là, et le passage là. Et là, ça a l'air plus près d'éventuels méchants. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on voit pas la baraque qui est indiquée sur la map. Ah, si, là-bas. Ok. On ne peut pas y aller, hein. D'accord. Allons faire le combat alors. Quoique, j'ai l'impression que l'autre c'est plus près. Allons détruire ça. Voir si notre santé mentale va en subir. Alors, les paquets de cigarettes, on n'en trouve pas dans le coin. Hein.
Plus moyen de remonter le moral, hein. Des bougies à moitié fondues. Allez. Aussi, raté. Ok, ça se passe quand même bien. Mais on prend cher, hein. Plein de bestioles. Et on rate le jet de santé mentale. Oh là là. Alors si on avait... Oh, ça crache. Ok. J'allais dire si on avait eu l'init. Non, mais il a rendu aveugle. Il a rendu aveugle notre tireur. Ah, c'est pas cool. Je pourrais tirer sur celle-là pour tuer toutes les autres. Mais il faudrait que j'avance de 2. Pour au moins le voir. Sans être à portée. Ok. Ça tue l'autre, qui explose aussi. Ok, joli effet domino. Là on avance de 1. Oh merde. Alors, l'idée c'est de se casser derrière, mais on peut faire ça. C'est marrant parce qu'ils mettent un calibre, mais c'est juste pour indiquer que ça tire. Est-ce qu'ils explosent ceux-là? Ah oui, aussi. Ça va, on était assez loin. Et elle, elle n'y arrivera pas. Hein. Bon, écoute, on peut le détruire. On peut pas le détruire. Parce que elle est nulle au couteau. Va partons loin. On est déjà aveuglé. Alors, on va s'écarter. J'ai pas bouffé mon raditeur. Je vais quand même mettre la vigilance au pistol, mais il est aveugle. C'est dangereux pour les copains. Ok, ouais, ça marche vraiment pas. Mais on a notre réponse. On sait que c'est pas fait pour ça. Dommage, je pensais être à 1. On peut pas l'attaquer de là. Oh là là, ça se joue à que dalle. Regardez, un pixel. Ah oui, là. Ah oui, mais je vais pas récupérer ma pastille. Bon, ben, on va pas pouvoir la tuer. Parce qu'on a fait le boulet. On va reprendre un coup de plus. Bon, c'est pas grave, ils font pas très mal, hein. Mais quand même, attendez, on va se mettre plus loin quand même que le détective. Je me demande ce que ça fait si je vais là-bas, et ça en déclenche un autre combat. Alors là, il faut que je me déplace que de 1 pour le frapper, donc évidemment, ça ne marchera pas exactement pareil. Donc on va rester loin. Les chevrotines ont été volées, oh là là. Oui, alors le jet de santé mentale, bah ça, de toute façon on l'aurait eu, hein. Faut mieux que ça soit maintenant que plus tard. Modérément réduite, ok. Il a un bonus et il est étourdi, du coup il peut pas la tuer. Ah bah bravo. Monophobie. Ok.
Ça va, il tire sur la bonne personne qui est aveuglée et étourdie. Pas trop grave parce que on a pris des dégâts que sur le même et on n'a pas pris plus de 12. Donc on va pouvoir soigner tout d'un coup. Hop, voilà. Le seul truc c'est que bon bah il y a eu le jet de santé mentale et que tout le monde maintenant est un petit peu cassé mentalement. On va continuer à s'infliger de la douleur. Hein. C'est dommage d'avoir raté là. Des toilettes extérieures isolées. Besoin pressant. Devant vous, il y a sûrement une maison non loin à l'intérieur. Vous trouverez un message écrit sur le mur. Je comprends seulement maintenant que je ne survivrai sans doute pas à cette quête futile. JRL avait raison, c'est une secte. J'ai rejoint leur rang plus facilement que prévu. On aurait dit de simples mordus d'astronomie emballés par des constellations préférées. Mais maintenant qu'on crapahute dans le bayou, j'ai peur de que la vérité soit plus sinistre. Personne ne veut me dire ce qui va se passer car je suis le petit nouveau. J'ai vu un homme avec une tête de chef parmi les cultistes. Et ce n'était pas un masque. Plus on s'enfonce dans le bayou, plus il délire. Si je ne m'en sors pas, dites à JRL qu'il avait raison. Le troupeau est plein de fous dangereux. Ok. Alors, un autre message épinglé à Anna. Attention de ne pas faire tomber les objets du rituel sur le sol humide, surtout les bougies où la transformation n'aura pas entièrement lieu et vous serez tenu pour responsable. Eh ben, cassons les bougies alors. Ah, le seul qui rate, c'est le journaliste. Vaut mieux maintenant qu'en combat, mais faudrait pas qu'il rate tout le temps, nos gars. Monophobie, ouais, ça c'est la meilleure. Hein. Monophobie, c'est la peur d'être seul. Et du coup, ben, c'est pas plus mal tant qu'on est en groupe. Hein. Par contre, il y a encore pas mal de combats. C'est quoi, hein, ce caillou avec une croix dessus? Oh, et de la végétation qui commence à muter. Magnifique. Alors, attendez que je me trompe pas. Ok. Ah, le mieux serait d'aller faire le tour, on sait pas en fait. Ce que je veux pas, c'est déclencher entre guillemets un gros combat final sans avoir bien tout visité. Ok, des bestioles qui tirent, un fusil. Allez, faut les faire péter vite. Non, elles ont limite. C'est le tireur qui a limite. Mais qui aveugle immédiatement mon tireur. Ah, c'est pénible s'ils font ça à chaque fois. C'est pénible parce que. Ça va me dire qu'elles sont intelligentes ces bestioles. Alors, à une case près. Bon, après, je peux le tuer dès qu'il bouge. Hein. En fait, ce que je voudrais, c'est le tuer avant que il nous atteigne. Bon, on n'a pas les points pour tirer, c'est ça hein, le problème. On va faire ça juste pour lui. En fait, faudrait que je m'approche, mais j'ai pas envie qu'il m'explose à la gueule non plus. Alors, le journaliste. On va essayer de tuer l'autre. Ok. On n'aura pas assez pour s'enfuir, mais c'est pas grave. Elle a pris 8. Là, elle va reprendre. Non, elle a pas pris, j'ai pas pris non plus. Mais on va la finir tranquillement. Alors, ce qui est fort, c'est que ça coûte que 2 pour les soins. Donc, on va en mettre un sur chaque. Espérer que. Elle réduit. J'ai l'impression qu'elle aurait dû te gaver, hein, parce que 50%, elle a jamais fait d'échec de sort. Hein.
Donc elle doit réduire de pas mal, hein. On a limite cette fois. Allez, c'est parti. Points de vie, ouais, on a le journaliste à côté, pas de soucis. On a perdu des chevrotines, j'espère qu'on en a pas perdu beaucoup. Normalement, ça devrait aller. Hein. Des jeunes filles à demi nues avec des fusils de chasse dans le bayou, mais quand même, hein. Alors, ramassons cette plante. Ok, on en a trouvé deux. Plus qu'une. Un coup près. Ouais, pour le cas où. Même si ça veut dire jet de santé mentale. Ça, avec ça, ça va faire super mal. Hein. 9-13. 8-9. Elle, elle fait 6-7. Combien ça ferait, ça? 7-11. À la limite, on pourrait lui mettre à elle. Hein. Mais bon, elle va soigner de toute façon. Alors, les points de vie, c'est ok, on est au taquet. La San, c'est ok, on va dire. Rien d'autre ici. Une caisse. Attendez qu'on regarde où on est. Ok, on n'a pas été à celui que je voulais. Là, c'était le chemin. On n'a pas oublié un chemin derrière nous. Si je vois qu'il y a des combats qui repopent derrière nous, on les fera pas. Hein. Mais dans le doute... Je vais réussir à me paumer. Ah, mais c'est pas par ici, si. Non. Ah, j'ai fait le tour. What? Les gars. Oh, il y a un poisson par terre. Je l'ai même pas vu. Ah, ils y aiment les poissons dans l'appel de Cthulhu. Hein. J'ai vu un point là. Il n'y avait pas un point là? Juste dans le buisson? Ah, peut-être pas. Ok. Désolé, hein, je vais vous faire. Je vais me balader donc. Pour essayer de retrouver le chemin. Voilà. Donc là, faudrait partir du côté droit. Hop. Suivons le petit chemin de planche. Ok. Donc les planches dans l'autre sens par contre. Ouais, c'est ça. Non, bon, on a rien raté, hein. Juste que là, le rocher avec une croix. Alors, je pense que quelqu'un a dû planquer un truc près de ce rocher. The trees here look strange. The portal must be changing the plant life. We must be close. Just look at these marvels. I've never seen such trees. Can you doubt for a moment that you're facing something bug? Non mais toi, faut que tu te calmes. Je vous dis, elle est pas nette, la vieille. Par contre, la faune extraterrestre, on n'aime pas. La flore. Ouais, la faune non plus, mais... Alors, rien là. Bon, j'espère qu'on les aura tous détruits, ces saletés. Hein. Réussi, réussi. Ok, c'est ce qui est important. Le journaliste commence à prendre cher. Hein. Ah. Who's shooting all the way out here? C'était pas. It must be the herd. What are they shooting at? We should take a look. Ah non, c'est le troupeau qui se défend. Si c'est le troupeau, c'est qu'ils ont un souci avec leur bestiole, hein. Caisse pleine de conserves, la nourriture pour quiconque habite ici.
Alors, peut-être que c'est à force de détruire les bougies qu'on déstabilise plus ou moins le contrôle qu'ils ont sur l'environnement. Hein. Alors, il y a quoi là-bas? Hop. Ok, on est exactement où je voulais. Là, on pouvait pas rejoindre, donc oui, là, ça sent la fin. Hein. Ça sent The Last One. Faudrait que la petite, soit elle craque, soit elle réussisse tous ses jets. What a fighter that fisherman must have been. Looks like he held them off for days. For all the good it did him before they tore him to pieces. T'as pile au moment où on arrive en plus. I warned you, friends. Coming here was... Keep your eyes open. We don't want to share the fisherman's fate. Ce taudis fatigué a dû appartenir à un pêcheur. C'est devenu son tombeau après que la créature l'ait réduit en charpie. Il n'y a aucune trace de la créature, mais mieux vaut ne pas toucher au corps. À moins l'homme s'est bien battu avant sa mort. Le fusil est posé contre lui, il ne lui servira plus. Vous, en revanche, vous aimeriez bien rester en vie. Ok, alors... on va mettre le fusil là. Alors c'est quoi? C'est une carabine Winchester. Plus courte qu'un fusil de chasse, mais tout aussi meurtrière. 7-8, coup critique 5. 7-8, coup critique 5. 6-10, 7-8. Ouais, on perd 1-2 de dégâts. Et on perd 25% de chance de critique. Mais l'avantage, c'est qu'on peut tirer deux coups dans le tour avec de la chevrotine. On n'en a pas perdu tant que ça. Hein. On va recharger nos armes au passage. Bon bah lui il est full combat, hein. Hop hop hop. L'avantage c'est aussi qu'il y a 5 munitions dedans. Hein. Donc bien plus efficace. J'ai bien envie de donner une arme à la petite au lieu du couteau. Qu'elle puisse tirer à distance, qu'elle n'ait pas à chaque fois besoin de courir. Vu qu'elle reste à distance avec le bouquin, autant qu'elle ait un flingue. Et on va prendre le coup près là-bas. Si vraiment il se fait engager au corps à corps, ça gênera pas d'utiliser Assassin. Il a 6. Bah. Du poisson. Plusieurs poissons sont étalés sur le porche et ne semblent pas avoir souffert de la chaleur. Sur l'emballage figure une recette écrite à la main pour faire des croûtons au poisson. Découper six morceaux de faire frire, découper un petit cercle au centre de chaque croûton. Ok. Ah, ils aiment les recettes, hein. C'était constitué un instrument en pièces détachées, on dirait un télescope. L'a-t-on laissé là car il était trop lourd à porter? Ah, petit moment de détente. Ok, on peut pas tourner la caméra. Vieux journal décrépit est posé sur la caisse. Vous avez les yeux qui piquent à l'idée de déchiffrer des pattes de mouche inconsistantes. Mais peut-être trouverez-vous quelques informations utiles. Vous parvenez tant bien que mal à déchiffrer certaines entrées du journal. Le pêcheur a vu plusieurs fois des intrus pénétrer sur son territoire. Bizarrement, ces descriptions vous rappellent la tenue du troupeau d'Alghedi. Le pêcheur a d'abord essayé de les effrayer, mais submergé, il dut battre en retraite dans sa cabane. Il mentionne une pièce secrète sous le plancher. Le pêcheur a vu plusieurs animaux étranges dans le bayou. En tirant sur l'un d'eux, celui-ci a explosé. Ce genre de gibier est inutile, en plus d'être dangereux. Il s'est caché en espérant que les animaux partiraient d'eux-mêmes. Des semaines après l'arrivée des créatures étranges, le pêcheur comprit qu'elles ne partiraient pas. Ayant caché ses objets de valeur, il quitta les lieux comme il n'avait pas confiance en son esprit brisé pour se rappeler de la cachette. Il écrivit quelques phrases de rappel. Poisson montre le chemin, suive tête de poisson, poisson aveugle a quelque chose à dire. Ok, on a vu un poisson par terre tout à l'heure. Poisson aveugle, donc c'est pas... Ouais, mais c'est le caillou à tous les coups. Merde, je peux pas tourner la caméra, c'est frustrant. Petit coffre verrouillé. Crocheter, trouver des failles. Verrouiller. Crocheter. Oh! Alors, je sais pas quoi faire. Est-ce que... Oh, des balles, les cartouches, c'est pour la Winchester. Ok. On va utiliser les cigarettes sur lui, hein, je pense. Le repasser à 4. Ça peut paraître bizarre, mais elle a qu'une seule phobie, donc... Pour le moment, c'est lui qui est le plus en catastrophe. Ok. Bon, bah, je crois qu'on est prêt. Hein. On a des soins.
D'ailleurs, les soins comme ça, on devrait peut-être, ouais, faire quand même comme ça. Ok. Finissons de fouiller. Ah, de la symphonie, bien. That's the third ingredient. We're done then. Lenui should be sad. Bon, on va essayer quand même de trouver le trésor du pêcheur. Oh, un casier à homard. Ça a remonté le moral de deux. Posé là, sûrement dans le but de pêcher le mets local, l'écrevisse. La visque d'écrevisse est une spécialité de la Nouvelle-Orléans. Vu le nombre de casiers, quelqu'un prépare une grande feste qui va lui rapporter beaucoup d'argent. Ok. Donc, il nous a pas dit que c'était ici. Ah. Suivons les poissons. Un poisson mort sur le sol, loin de l'eau ou d'une assiette. Quelqu'un a dû le laisser là pour une raison ou une autre, peut-être un message. Fouiller, déplacer. Ouais. En ouvrant le poisson, vous voyez seulement de la chair et des organes et des arêtes. Mais oui, il n'y a rien à faire, c'est un schéma, c'est un indice. Ok, on va revenir en arrière pour trouver l'autre. Hein. De toute façon, on en avait vu un sur la route. Poisson mort sur le sol. Hop. En ouvrant, vous voyez seulement de la chair, des organes. Ah bah, encore un. Ah non, mais il n'en a pas mis que 3. C'est forcément là. Mais on en a vu un plus loin, nous. Hein. C'était là, non? Là, il y a le poisson. Il y a un truc de pêche. Je rêve pas, il y a bien un poisson par terre. Alors, regardons notre bouquin, tiens. Alors... Trouvez le trésor du pêcheur, suivez le poisson. Récupérez 3 branches, bah c'est fait pourtant. Alors, les poissons vous montreront la voie. La tête du poisson indique le chemin, le poisson aveugle ont quelque chose à dire. Ok, vous montreront le chemin, donc il a peut-être indiqué la direction. Ce serait derrière nous. Je remonte la piste des poissons, mais ils indiquent l'autre direction. Hein. Allons à gauche. Ouais, je vois que le rocher avec la croix, hein, qui paraît être l'endroit où il a enterré son trésor, ou j'en sais rien. On va suivre les poissons. Enfin, je vais remonter jusqu'au début. Pas l'air d'en avoir d'autres. Hein. Ok. Donc on va bien suivre la direction qu'il donne. Hein. Même ceux qui n'ont pas de comment ça s'appelle, de symbole. Il nous indique par là. À l'intérieur du corps du poisson préservé, vous trouvez un message plié. Un X marque l'emplacement. Et ben voilà. On dirait un rocher ordinaire marqué d'un gros X, mais il est posé sur le sillon indiquant qu'il aurait été déplacé ici récemment. Il n'a pas l'air très stable et risque de basculer au moindre mouvement. On va le pousser. Ok, une réserve de matos. Donc on prend les balles. Les soins. C'est des vrais soins. On va prendre ça évidemment.
Pour relever nos morts. Les cigarettes. Bon, on va faire passer à 6 le journaliste. Même si c'est risqué, parce que si on trouve un truc sympa, on pourra pas le prendre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vire le pistolet? Enfin, je vire le couteau pour avoir des soins? Je crois que c'est important. Hein. En fait, ce serait même important que chacun ait des soins. Elle, elle a le bouquin. Donc, on va mettre le couperet ici. Voilà, et lui il va avoir seulement les deux armes. Mais vu qu'il a des munitions différentes, chevrotine et cartouche, il a de quoi faire. Hein. Gilet pare-balles, on laisse sur lui. Alors, c'est dommage pour ce couteau, mais bon. Je crois que c'est quand même le mieux. On pourrait ne pas prendre le couperet. Prendre plutôt le couteau à la place. Parce que le couperet, bah, coûte cher. Mais 7 onces de dégâts avec 20% de coup critique. Si elle se fait choper au corps à corps, on sera bien content d'avoir ça, hein, je pense. Bien que si on perde la SAN. Et en plus, qu'on se fait exploser par les monstres qui nous collent, pourrait être dangereux. Hein. Mais je crois qu'on est armé, enfin, on ne pourra pas être mieux armé que ce qu'on a actuellement. Il faut juste trouver, si possible, les dernières idoles, histoire de bien avoir perturbé leur rituel. Là. Ce qu'ils ont dit, hein, si les bougies sont par terre, ça risque de... Hop. J'espère juste qu'il va me dire... ah, c'était la dernière. Ou un truc du genre. Évidemment, elle a raté. Ce que je veux pas, c'est que quand on combat, qu'on fasse le combat final et qu'elle craque à ce moment-là. Mais bon. Une plante étrange. Et voilà, elle craquera au dernier combat à tous les coups. J'ai jamais rien vu de tel. Bon, bah on aurait mieux fait de pas tripoter un truc avec des tentacules, hein, bien sûr. Bien là. Allez. Ben, techniquement, faudrait qu'elle rate. Évidemment, c'est la seule à avoir réussi. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment. On a l'impression que les jeux ont une tendance à se moquer de nous. Comme si c'était toujours les pires résultats qui se passaient. On a besoin d'un truc, ça se passe pas. Enfin. Ah, il y a encore un truc. Alors, ne dérangez pas le prêtre et la prêtresse pendant le rituel. Ok. Plante de soins, ah, on pourra pas l'utiliser. On pourra pas l'emmener non plus vu que ça prend plus que 5. Ok, bon, on peut en utiliser une. Ça soigne de 12, ça soigne de 12. Remède de grand-mère, ah, c'est moins efficace, on va soigner lui. C'est 2 points de vie, mais on sait jamais. Et on va les laisser là, bien sûr. Allez, faut qu'elle rate. Ok, c'est la santé mentale. C'est la folie. Par contre, on était... Ouais, on a raté 2 fois avec les deux autres. Hein. Automutilation. Ah, merde. C'est vrai qu'elle elle s'inflige des dégâts. C'est pas très bon. Look out! Behind us! Oh, il a commencé à changer lui. Those tentacles. It's almost like the monster in the asylum. Mais c'est le même pêcheur. That's the fisherman's body under all those tentacles. Those little beasts must transform. Voilà, c'est ce qui est arrivé à notre ami Pendergast, je pense. No time for that. Defend yourselves. Ok, et eh ben la SAN, nom de Zeus, comme on rate les jets. Je vous parie qu'on est aveuglé. Non, on est entravé. Ce qui est pareil, hein. Aveuglé, entravé, c'est même combat. Hein. Alors, il a 4 points de vie. Est-ce que je lui mettrai pas 2 coups de poing? Ben non. Alors, testons cette Winchester. Alors, on va tirer ailleurs, bien sûr. Hop.
Il a 35 points de vie, il frappe au point. Il va pas nous faire grand chose. Hein. On va se décaler, même si on est entravé. Ah bah oui, mais... On n'ira pas assez loin pour s'éloigner du dégât, hein, quoique... Peut-être. Décalé. Pas trop en vrai. Si on a besoin que d'un pour un Overwatch, hein, mais on n'est pas du bon côté, on va traverser. Hop. Ah merde. Ouais, là il va nous péter la gueule. Autant se mettre là. Hop, récupère ton point, voilà. Et espérer que ça passe ici. Ah, ils ont rien pris? On n'a rien pris. Si, peut-être lui. Ok. J'ai bien envie de lui mettre un coup de couperet, mais bon. Elle a déjà pas de san. On va rester cool. Je vais quand même me décaler. Comme ça, je vais pouvoir tirer, faire un overwatch et il sera obligé de nous courir après. Pas qu'on laisse passer ça, hein, sinon c'est jet de santé mentale et ça va être l'horreur. On va tirer au bon vieux fusil de chasse qui va bien. Allez, un crit là-dessus. 15 de dégâts, c'est beau. Et puis un overwatch, avec un peu de chance on recrit quand il bouge. Ou alors on lui met deux coups de couteau, mais on est trop loin je pense. Alors attendez, est-ce qu'on peut... Non, on est trop loin. Ok, on va en mettre qu'un. Nouveau-né. 8. Je vais me décaler. Bah pareil pour qu'il bouge et qu'on le tire dessus. Et ça devrait être good. On peut pas le rater. Ok. On est blessé. On va réutiliser un de ces trucs. Recharger nos armes. Ok, c'est pas mal qu'elle ait un revolver. Rien derrière nous qu'on aurait oublié, hein. Tous les hôtels sont down. J'espère. Il en reste un là. Ah, une autre plante. Ouais, bon, on n'a pas pris tant de dégâts que ça. Alors, je pense que de temps en temps, on devrait... combattre plus calmement aux armes de corps à corps et puis dépenser nos soins vu qu'on en trouve beaucoup. Cette balle, ok. Ah ouais, ça nous a coûté quand même un bon jet de san de récupérer ça. Et voici notre copain. Alors avant, allez, fais-moi, dis-moi que c'est le dernier. Qu'est-ce que... Mais qu'avez-vous donc fait? Vous avez clairement interrompu le rituel d'une importance capitale. Ah oui, mais c'est la folle qui dit ça? Donc ok, on a bien fini. À votre tour, Alphonse Lany vous demande, vous voilà prêt à affronter le portail? Autant prêt qu'on pourra jamais l'être. Hein. Les épaules de la nuit s'affaissent, telles celles d'un énorme... D'un homme venant de creuser sa propre tombe, mais d'un air sombre de satisfaction lui traverse le visage. Je mérite des vacances après avoir fermé ce portail. I'm pleased to see you didn't become lost in the bayou. It was only after you stomped off that I realized I should have tied a string to you. Comme un fil d'Ariane. Okay. Now I understand why Grandmère warned me not to wander too far into the bayou.
Okay. Nevertheless, we're almost done. Did you retrieve some coreberry branches? Vous imaginez le gars qui arrive ici et qui a pas les branches. Here they are. Splendid. These should facilitate the ritual significantly. As I awaited your return, I ransacked the belongings the herd abandoned. Here. A map of New Orleans? There's a big circle around Jackson Square. The herd must have plans for something happening there. Oui, le défilé. That's all very well for you, but let us focus. Okay, wait, ils avaient prévu de faire un défilé avec des ballons et tout ça. Ils vont peut-être essayer d'infecter la Nouvelle-Orléans avec plein de petites bébêtes. This must be the portal. I've never seen anything like it. What a marvelous phenomenon. Just think of all the alien beings that emerge from, well, wherever the portal leads. The mind reels even to imagine the mechanics of such a device. Surely it is not a naturally occurring effect. Oh, to study it. If only I yet lived. Ouais. We've done our bit, Linwit. Now it's time for you to do yours so we can all get out of here. As I cannot defend myself while preparing the ritual, I trust you will see that those loathsome creatures do not interrupt me. After all, you were the ones who wanted to come here. Something's coming, Linwit. You're out of time. Get... Ah, le portail est Vénith. Il crache des bébêtes, ok. Faut pas tuer le portail, j'imagine. Je crois pas qu'il faille tuer le portail, hein. Enfin, ça doit rien lui faire. Quoique, c'est marqué 1-3. Alors, progéniture de mêlée. Je crois que c'est celle-là en priorité parce qu'elles explosent au cac. Hein. Ce qui m'embête, c'est d'utiliser un canon scié pour ça. Bon, on va utiliser les balles, c'est triste, mais fait légèrement moins et puis je peux tirer deux fois avec. Ah bah non, une seule fois. Tirer sur ça. De toute façon, elles vont toutes agir derrière. Les bestioles là-bas. Alors, progéniture de mêlée, il y en a partout. Hein. On va juste. Je vois pas où est l'autre. Il y en a une par là. Ok, progéniture à distance, non, il faut quand même tuer celle de mêlée, parce que si elle s'approche d'elle et qu'elle pète, ou si elle s'approche de lui, celle à distance, ils peuvent tirer où ils veulent, mais il suffit qu'on entoure notre gars pour qu'elle tire sur un des nôtres, je pense. Sur celui-là. Merde, trop loin. Bon bah, occupons-nous de lui alors en attendant. On se décale. Ouais, je sais pas trop où elles sont. Hein. Il y en a une là, ok. Là, on va tuer une des deux. Ah, l'autre était de l'autre côté. Ok, donc elle est sous Overwatch. On va tirer sur celle-ci. C'est de protéger lui, donc
On va se rapprocher pour que ça explose à côté. Moi, je sais pas si c'était le bon plan, ça. Ok. À tous les coups, il va faire un dégât au puits. À chaque tour, ça représente le nombre de tours qui va lui rester. Alors, deux à distance là. D'accord. Donc, oui, on va tirer sur un à distance. Mais l'Overwatch servira à rien. À part sur celui de corps à corps. Donc, en fait. Ouais. On devrait tirer deux fois, mais on a pas de revolver. Hein. Peut-être qu'il faudrait lui redonner son revolver. Ou alors on se soigne. Non, mais là on est intact. Ou alors on recharge. Je vais faire un Overwatch de l'autre côté, mais. Donc, juste au cas où le corps à corps bouge. Il va mourir de son pote. Ok, il les a mis trop près. Ce qui est cool. Là, on va lui mettre un coup. Easy hein, pour le moment. Tant mieux. On veut pas que ça soit dur. On veut assurer le coup. Alors, attention qu'il n'y ait pas un gros truc qui sorte aussi du portail. On s'éloigne pas trop, on va rester par là. Est-ce que je me mettrais pas en Overwatch au cas où quand même? Pas trop près, mais. On sait jamais. Genre, s'ils ont l'init au prochain tour, on sera quand même en Overwatch. Terminée. Not this beast again. If only you had listened to me instead of that insufferable Lanoui. Vous mourriez tous maintenant. I fear you shall. Mais non, on va la battre. On l'a eu une fois, il y a pas de raison. On va le jeter dans le portail. Jetez-le dans le portail. Keep it away from Lanoui. I thought that was some monster the herd conjured, but they're taking orders from it. Jetsan, Grapunustan. Alors, c'est là où un truc d'entrave aurait été cool. Ah, évidemment, il nous sort des bébêtes en même temps. Histoire de. Et il joue en prums, comme ça, on peut pas du tout le ralentir. Bon, bah. On avait pas le bouquin de toute façon. On va quand même se débarrasser des petites conneries. Distance, distance, mêlée. Rejeton de la chèvre. Il faut qu'on fasse cette mêlée quand même. Donc, je veux pas perdre du mouvement à venir par là. Bien qu'on aurait pu faire l'Overwatch sur lui, mais on va faire l'Overwatch sur le méchant. Du coup, le corps à corps, on va juste s'interposer, hein. Juste tirer sur un truc. Bah, à la limite, on peut s'occuper de lui. On s'en fiche qu'elle tire sur le flic. Ce qui m'embête, c'est si elle tire sur la nuit. Mais de toute façon, le rejeton de la chèvre, on va sûrement le stopper. Donc, hop. Histoire qu'on soit pas submergé quand même. Et on va se déplacer juste pour body block. Pour pas qu'il puisse passer entre nous deux. Qu'il doit faire tout le tour en voilà. Ou alors qu'il nous attaque. Mais pas la nuit. Perte de raison. Les chances de réussir ce test de santé mentale sont réduites jusqu'au prochain scénario. Elle va être stun, la petite. Ouais, parce qu'elle a raté son jet. Là, on prend que deux parce qu'on a un gilet pare-balles. Mais on est aveuglé. Oh là là, catastrophe. J'aurais dû y penser. Maladresse, vos mouvements ne sont plus coordonnés, vous avez du mal à tenir debout. Chance de briser une arme après l'avoir utilisée. Briser, ça doit être l'endommager d'un niveau 1. Et on est stun.
Oh là là. Du coup, l'Overwatch va pas fonctionner. Et il nous étourdit. Ouais, bon. Il y a quoi? Il y a deux tireurs à distance. Faut qu'on s'approche d'eux. Dommage qu'il ait pas fait popper à côté, hein. Étourdi, étourdi, ok. Mais arrête d'exciter ce portail, c'est ça qui fait popper les mobs. Voilà. Aveuglé toujours. Contact. Entravé, ça c'est pas dérangeant. Étourdi. Aveuglé. Ok, il est pas trop hostile non plus, hein. Il nous attaque pas au corps à corps à faire des grands coups de griffe ou des trucs du genre. Hein. Là on pourrait recharger maintenant, hein, parce qu'il faut qu'on le chope. On change d'arme simplement. Et on l'allume. Ok, c'est là où on va le coller au corps à corps et qui va nous taper, hein. Probablement. Mais c'est là aussi où on va lui faire mal, je pense. Donc on va lui mettre deux coups. Deux couteaux. Ouais, c'est un psychopathe, ce genre de piste. 16 de dégâts, on prend. Elle, bah, on va juste exploser ça. Et se décaler. Ah, on est entravé. Bon, bah, on va le prendre, hein, tant pis. Juste me rapprocher de là-bas. Ouais, pas de beaucoup, mais bon. C'est dommage qu'on voit pas les points de vie du portail baisser ou un truc du genre. Parce que là, on sait pas combien de temps ça va durer, en gros. Mais je pense que ça va durer le temps qu'on tue la grosse bête, hein. 10. Ok. Ce qui m'embête, c'est que mon tireur le plus efficace est derrière en train de s'occuper de bestioles. Alors qu'il pourrait l'allumer. Prochain tour, je pourrais pas tirer, hein. Parce qu'il faudra que je recharge mes armes. Attendez qu'on regarde. On pourra se soigner par contre. Ouais. Elle est où la bromocaféine quand on en a besoin? Ok, lui on continue à massacrer le machin. Joli crit. Prochain tour on le finit, hein. On va quand même mettre un Overwatch au cas où des petites bestioles nous agressent. Corps à corps. Il y en a une derrière ou quoi? Non, ça on peut pas voir si y a le Queen. Elle est là-bas, ok, on va se tourner par là-bas. Merde, complètement raté. Ok, c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est se décaler d'un et en tuer une. Vu qu'on n'a pas assez pour tuer le vilain. Ah oui, mais on est toujours entravé. Ah bah bravo. On peut juste se déplacer devant comme ça et on voit personne, donc autant tirer sur la chèvre. Venue des bois. Ok, bon, bon, on va se déplacer de deux alors. De deux, et je vais pas pouvoir interrompre sur la nuit, hein. Il a 20 points de vie, hein. On va se mettre là. En vigilance. Par là. Ouais. Est-ce que ça interrompt la vigilance? Je crois pas, hein. Ok, ça s'est bien passé.
Il est passé pile à la lisière de la vision. Que deux, ok. Alors si on est toujours aveuglé, c'est gênant, mais... Oh, l'attaque de... d'Overwatch qui le stoppe. AOE qui touche son copain, mais qui le tue pas. Dommage, ça aurait fait un effet domino. Ok, alors là, on va recharger... Pourquoi j'ai rechargé celle-là ? Et on voit rien. Et ben on va recharger l'autre. Aussi. Et ben on va se déplacer, hein. Voilà, pour se mettre à portée. Si possible, des deux. D'accord. L'aveuglé qui disparaît, c'est bien, mais il va s'en reprendre. Là, on va le finir, le chevreau. Alors, on n'est plus au contact. On se déplace au contact des deux. Non, hein, peut-être pas. Juste terminer lui. Recrit. Non, mais il faut le jeter dans le trou, hein, immédiatement. Ça a l'air ok. Il nous a pas trahi, il a fait ce qu'il est, il avait dit qu'il ferait. Donc on est sûr que c'est un allié. You've done it. You've closed the portal. I hope you're pleased with yourself, having deprived science of the greatest phenomenon humans have ever discovered. Linwit's down. The effort of closing the portal must have used the last of his strength. If Lanhui can close this portal, he can surely open it again. Can you afford to let him? Pouvez-vous courir ce risque? Oh là là. Mais elle a raison. Jetez-le dans le trou. Wait a second. What's to stop Lanhui from coming back and opening the portal again? There's only one way to be sure he can't. Linwit won't be a problem for anyone anymore. Let's get out of here. Je crois qu'ils ont fait le choix de buter la nuit, hein. Vous avez appris un. Rejoignez le portail, fermez le portail, trouvez le trésor du pêcheur, récupérez 3 branches de symphorine. Ok. Donc ça a accéléré. Si on n'avait pas détruit les bougies, on n'aurait pas perdu autant de santé mentale, hein. Et je pense que le combat final aurait été plus dur. Mais je me demande si ça aurait pas valu le coup quand même de rendre le combat final plus dur. Et pas subir toutes ces folies-là. Parce que là, ils ont pris cher, nos gars, hein, et les combats ne vont que devenir de plus en plus durs. Living in the bayou, can you? No doubt there's nothing there but an old, abandoned and empty house. Ok, une maison abandonnée, ça peut être bien. Pour une enquête. Donc là, on ne retourne pas à la Nouvelle-Orléans, hein. On continue dans le bayou. Alors... Ah ouais, il y a tout le monde qui est bien. Donc là, ça va être team d'enquêteurs, hein. Psychologue, scientifique, parapsychologue. Ok, ça va être sport. Mais au moins, ça va faire reposer les bourrins. Elle a pris vraiment trop, hein. Elle a vraiment trop pris. Et on fera ça à notre prochaine fois pour le soupçon de sorcellerie. Merci d'avoir suivi et à bientôt.